Bonjour à tous, c'est Fio, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Versus consacré à la finale du Sixt Invitational 2019 qui aura lieu aujourd'hui. Entre deux équipes européennes, la Team Empire face au G2, l'Europe domine donc le monde une fois de plus sur Rainbow Six Siege. Ces deux équipes se connaissent parfaitement bien puisqu'elles évoluent dans la même Pro League et surtout elles se sont affrontées deux fois depuis le début de cette saison. Premièrement, c'était lors de la demi-finale de la DreamHack de cet hiver, le 2 décembre, avec une victoire 2-0 de la part des G2, 7-1 sur Villa, puis 7-3 sur Consulat, et plus récemment en Pro League Européenne, le 25 janvier, avec un match nul entre les deux équipes, 6-6 sur Bank. On commence tout de suite avec la présentation des outsiders russes, la Team Empire, composée de Scyther, Joystick, Shepard, Shockwave et Karzeka. Et qui a mis beaucoup de temps à démarrer lors de sa demi-finale face au Norarengo et finalement l'ont emporté 2-1. Une défaite 7-4 sur leur map forte Consulat, une surprise tout de même sur Bank puisqu'ils gagnent 7-2 sur cette map forte des Norarengo et enfin une victoire 7-4 sur Coastline. Au niveau des performances individuelles, c'est assez mitigé. Scyther reste encore une fois le fer de lance de cette équipe russe avec un ratio qui frôle les deux puisqu'il est à 1,94 et Shepard qui a tout de même un KOST de 0,81. En revanche, c'est beaucoup plus difficile pour Karzeka qui a vraiment beaucoup de mal à rentrer dans cette compétition. Au niveau des cartes jouées, la Team Empire a joué toutes les cartes du map pool durant ce Six, mis à part Villa qui est leur ban automatique et qui devrait aussi être ban face au G2. Consulat et Coastline ont été joués 3 fois, 2 victoires, 1 défaite, et ensuite Club Oregon Border et Bank ont été joués une seule fois et ça a toujours été une victoire. Bref, il existe donc des VOD sur toutes les maps jouées du côté de la Team Empire, ce qui peut poser énormément de soucis à l'équipe. Surtout qu'ils affrontent les ultra favoris de G2, tenant du titre de ce Sixth Invitational pour la plupart d'entre eux, vainqueur du Major de Paris en août dernier et vainqueur des dernières finales de Pro League à Rio. L'équipe est composée de Goga, Jonas, Fabian, Pengu et Quanto Racketti. Et ils se sont imposés assez facilement lors de leur demi-finale face à la team Reciprocity puisqu'ils ont remporté Club 7-2, ils ont remporté Coastline 7-2. Bref, c'était vraiment une voie royale qui se sont ouvertes jusqu'en finale. Mais une performance individuelle plutôt homogène au niveau de l'équipe, si ce n'est Pengu qui a été extraordinaire. Il a tout de même fait 22 kills sur les 18 manches et sort avec un ratio de 2,75. Et Jonas tout de même qui a un KOST de 0,83, ce qui reste quand même assez impressionnant. Lors de ce Sixth Invitational, les G2 n'ont joué que 4 cartes, 3 victoires sur Coastline, 3 matchs sur Club, 2 victoires, 1 défaite, 2 victoires sur Villa et 1 victoire sur Bank. Ils y ont donc laissé beaucoup moins de VOD que leurs adversaires et de leur côté, c'est Border qui a été automatiquement ban sur tous leurs matchs. Cette confrontation semble donc en faveur des G2 puisque je vous rappelle, la finale se jouera en BO5. Il y a peu de chances que ça joue Villa et de toute manière, si c'était le cas, les G2 devraient écraser la Team Empire comme ils l'ont fait lors des demi-finales du Sixth Invitational. Et à eux de voir maintenant s'ils souhaitent continuer leur ban Border ou pourquoi pas avoir préparé une surprise justement pour la finale sur cette carte. Et dans ce cas-là, pourquoi pas retirer une autre carte forte de la Team Empire. Bref, ils ont vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir réussir. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Versus. On se retrouvera demain pour un R6 Recap des informations de cette semaine. Et on fera des R6 Recap spéciaux lors de la semaine prochaine justement pour vous faire un résumé de tous ces matchs du Sixth Invitational. J'espère que ce petit concept vous a plu tout au long du Six. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est de profiter à fond de cette finale et pourquoi pas avoir une surprise Team Empire, même si je n'y crois pas trop. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bisous. Bye bye.